verrouiller la porte. Faut continuer d'avancer. Pas moi qui pourrais faire ça. On a réussi. Joli. Bougez pas. Il y a un escalier, je pense qu'on peut vous rejoindre. Tu dis ? Il y a quelque chose là-bas. On dirait que c'est à moi. Il n'y a pas d'interrupteur. On ne peut pas passer par ici. Oui. Vous allez bien ? Oui, ça va. Mais on est toujours séparés. Cette pièce est un cul-de-sac. Est-ce que vous m'entendez ? Ojo. Oh, merde. Bienvenue. Vous êtes dans mon plus grand labo, le Barillet. Qu'est-ce que ça fait de se tenir à l'épicentre du progrès ? Rendez-vous compte de la chance que vous avez. Et en prime, vous allez même pouvoir m'aider à vérifier une de mes conjectures les plus audacieuses. Quoi ? Dès que je serai prêt, j'ouvrirai la porte du laboratoire numéro 3. Ah non, en fait, puisque vous êtes là. Autant que vous vous occupiez des préparations vous-même. Je compte sur vous pour me fournir des données inédites. Mais quoi encore ? Il croit qu'on bosse pour lui, cet enfoiré ? On est vraiment obligé d'écouter ? Je pense que oui. Il ne relâche jamais personne avant de récupérer les données qui l'intéressent. Il parlait bien du laboratoire numéro 3. Il me semble que je l'ai vu à l'étage tout à l'heure. On y va à deux ? Ouais, on est bien obligé. On ne pourra pas vous aider. Faites attention. Merci, ça ira. Nous, on reste ici. S'il se passe quoi que ce soit, vous nous appelez, ok ? Compris. Ouais, mais pourquoi faire sans déconner ? Dis. Qu'on vous appelle, c'est ça. Pas pour Cloud. Ces derniers temps,
Il n'est pas lui-même. C'est vrai. Mais je sais qu'il est solide. Et toi, Tifa, tu tiens le coup ? Hein ? Oui, bien sûr. Ok, on est de retour, les gens. Alors, j'espère que vous allez toujours bien. Alors, je regarde un petit instant un truc. Allez, c'est parti. Donc, on doit aller à... au labo numéro 3. On va savoir ce que c'est. J'arrive. C'est ça le labo numéro 3. Ben, ça doit être le laboratoire numéro 3. On dirait, mais la porte a l'air fermée. Peut-être qu'on peut l'ouvrir d'ici. Cherchons comment faire. D'accord. Le vent, la glace, il manque plus que le feu. Non, il n'y en a plus. Ok, allez, c'est reparti. Du laboratoire numéro 3, mais on peut pas l'ouvrir. Avance. Tiens, j'y pense. Les préparations dont parlait Ojo, elles ont peut-être à voir avec ce truc. Un terminal central. C'est bien possible. Alors. Bracelet. Non. Peut-être pour lui. Feu, feu de soin. Utiliser un grappin, dommage. Allez, Red, vas-y. J'y vais. Rien y faire. Il n'y a pas d'interrupteur. On ne peut pas passer par ici. Pourront traverser en bas.
Il faut le dire à Cloud. Compris. On va essayer d'aller jusqu'au terminal central. Bougez pas, on vous rappellera. Oh putain. Il est censé étudier quoi, l'autre ordure ? Le fléau venu du ciel, Genova. Pour Ojo, c'est toute l'œuvre de sa vie. Son CV, j'en ai rien à foutre. Concrètement, les expériences qu'il fait ici consistent à implanter des cellules de Genova dans des créatures et des machines diverses. Il cherche à renforcer ses cobayes. Ojo est en train de nous utiliser pour parachever ses créations. Quoi qu'on fasse, les spécimens de Ojo sont condamnés. Abrégeons leur souffrance. Commençons par trouver un moyen d'aller au centre des barrières. Pas l'attaquer. Je compte sur toi. Ouais, aucun problème. Ça va pas suffire. J'arrêterai tout.
Vas-y, mon grand. On dirait que c'est à moi. Pas d'interrupteur. Ah, merde. Il n'y a pas d'interrupteur. On ne peut pas passer par ici. Tifa et Aerys sont devant le laboratoire numéro 3, c'est bien ça? Il y a quatre interrupteurs. Un par laboratoire, peut-être. Ça a fait quoi? Transfusion réussie. Transfusion réussie. Début de l'expérience dans la zone concernée. On devrait les appeler. Et leur recommander d'être très prudentes. Ah merde! Transfusion réussie. Transfusion ah, réussie. Ah putain, on peut pas ouvrir l'expérience dans la zone concernée. On peut tout ouvrir en même temps. Transfusion réussie. Transfusion réussie. Début de l'expérience dans la zone concernée. De toute façon, on est amené à revenir de toute façon. C'est moi ou il y a un distributeur ? Un terminal. Tifa, tu m'entends ? On a activé le terminal central. Ça doit être ouvert. Le labo doit être rempli des créations de Hojo. Merci. On va voir et on revient. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? Oh merde. Ouais, si on veut. C'est quoi cette pièce? Ça me donne le cafard. Je crois que c'est un espace de stockage en fait. Méga potion, ouais. Il y a eu quoi là-bas?
merde. Il faut qu'on se reprenne. Je vais te montrer ce que je sais faire. Bah voilà. Ça s'arrête. Regarde, passons par en haut. Et là, tout à coup, ça se casse la gueule, on est obligé de le battre. Ah ouais, en plus ils sont deux. On n'a pas le choix.
travail d'équipe. Allez, je suis prête. Lâche ma copine! Merde. Si t'es bien avec elle, elle peut vraiment attaquer à distance. Tu crois? Branée de puissance. Ouh, ça peut être intéressant. Je n'ai jamais autant haï quelqu'un. Mais non. J'arrive! Allez, je me retourne!
en charger? Je peux le faire. À quoi de jouer? Ça va aller. C'est quand tu veux, hein. Je compte sur toi. J'arrive. Je peux le faire. Tiens. Je vais t'avoir. Oh non. Je vais bien. Max. Prends ça. Tiens. Et... Ah. Ça va. Qu'ils pourront passer en dessous. J'arrive. Cloud? Ça va? Oui. On vient d'utiliser un levier. Je pense que les incubateurs à votre étage sont sortis du mur. Ah! C'est notre tour, alors. Ouais, on va changer d'équipe. S'il se passe quelque chose... D'accord. Faites attention à vous. Il faut d'abord qu'on ouvre la porte. Ouais. Tout à fait. Ça fait plaisir de voir quelqu'un qui réfléchit, hein. Hein, Barrett? Transfusion réussie. Transfusion réussie. Début de l'expérience dans la zone concernée. Oula. Encore une expérience de audio. C'est pas lui là-bas, le truc. Heureusement que je suis là. Je te rattrape pas. Allez, à toi. Garde ton sang-froid. Ouais, j'ai quoi faire. Concentre-toi. Je compte sur toi.
travail d'équipe. Si on veut. Toi, t'es le prochain sur notre liste. Champ de force. On se calme. C'est du verre renforcé, bien sûr. T'es... J'annote l'absence de symptômes immédiats suivant votre contact avec les spécimens. C'est fascinant. Hé ! Reste où tu es ! Il faut qu'on monte. Putain, t'es parti où ? J'ai un bracelet mystique. Oh merde, putain. Te précipite pas.
espèce de... Ils ne comprennent rien. Bon, je veux bien te donner un de mes jouets. Oh, qu'est-ce que c'est encore que ce truc? Ça ira. Laisse-moi faire. Putain, vous me cassez les couilles. Oh merde, t'es sérieux là? Tu peux t'en charger? Je m'en charge.
J'ai même pas eu le temps de soigner. Un autre ? Qu'est-ce qu'il fait ? Dégage! Oh là 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 là! Ça m'a surpris! Enfin. Ne tiens pas! Esquive ça! Bloqué. Putain, j'ai cru qu'on allait jamais arriver.
c'est le labo numéro 4. Mais pour ouvrir la porte, on doit retourner au terminal central. L'autre porte s'est refermée derrière nous. On fait comment? J'espère qu'on n'est pas coincé. Merci. Tiens, il y a un téléphone. On demande aux filles si elles peuvent aller jusqu'au terminal central. On va voir ce qu'on pourra faire. Hey ! Tu t'en sors ? Oui, dites s'il vous plaît, oui. Oh non! Allez vite! T'inquiète pas, Red, j'arrive. J'abandonnerai pas! Oh non! Là, on a un gros problème. Désolé, j'ai besoin de souffler. Il faudrait peut-être que je me soigne un peu. On avait besoin d'elle. Ah!
Non, merde! La porte du laboratoire numéro 4. Pour l'ouvrir, il faut retourner au terminal central. Mais ce n'était pas possible d'où on était. Peut-être qu'on peut y aller à partir d'ici? Oui, on va essayer. J'y vais. Pas. Il n'en a pas fini avec nous. C'est ça que ça veut dire. J'en peux plus. J'en peux plus d'être son jouet. Il ne reste plus que le laboratoire numéro 4. Faisons confiance à Cloud et Barrett. S'il vous plaît, arrêtez. Quoi encore? J'arrive. C'est pas fini. Moi aussi. Donc c'est le 4, hein, on est d'accord. Transfusion réussie. Transfusion réussie. Début de l'expérience dans la zone concernée. Ça va aller. Pas vrai? Oui. Appelons Cloud pour le prévenir. Oui, on a trouvé.
trouver un ascenseur. C'est vrai? Super. Le problème, c'est qu'il ne marche pas. Ojo a dû le désactiver. On n'a pas le choix. La porte de votre... Compris. Restez où vous êtes. Bon, on retourne à la porte du labo. Quoi? Ok, il y a des... Parce que là, ça devrait suffire. À se demander ce qu'on fabrique. Ouais. Tu sais, il t'admire beaucoup. C'est possible. Wedge, c'est un mec timide, en fait. Oui, on a ça en commun. Et quand on a des emmerdes, on peut compter sur lui. Ça aussi, vous l'avez en commun. Est-ce que t'es en train de dire que tu m'aimes bien, toi aussi ? Putain, la plus grande bataille, c'est chaud. Ce truc encore. Mais qu'est-ce que vous nous faites, les mecs? C'est un ver de terre. Il veut nous transformer en pâté pour mutants ou quoi? Ça
un travail d'équipe. Je vais faire de mon mieux. Il faut qu'on se reprenne. À mon tour, c'est ça? Allez, vas-y, là, manne-toi, là. Ferme les yeux. Ah, merde. J'ai la tête qui tourne. Bien joué, ça c'est un bon chien. En fait ces choses, ces robots sont vivantes en fait. C'est grâce à un truc Jerica, un truc comme ça, Jericho. Il a insufflé de la vie en fait. Vous l'avez vaincu. Vous ne me décevez pas. Vous m'avez procuré des données utiles. Commençons la prochaine phase de l'expérience maintenant. Ouais, l'ascenseur remarche. C'est peut-être un piège. Non, ici les ascenseurs sont normaux. C'est vrai? Alors, ok. Hop.
vraiment la pression. Drôle de bruit. Ça doit être... La porte est verrouillée de ce côté-ci, on dirait. Alors, on le rouvre. Attends. Je pensais qu'elle allait ouvrir... Ça fait longtemps. Comme une porte. Mais non, elle est tombée, en fait. Ouais. Nous voilà enfin réunis. Avec toutes ces conneries, on n'est pas en avance. Par ici, il y a un ascenseur. Hein ? Enfin, encore faut-il que Ojo nous laisse l'utiliser. Super! L'ascenseur fonctionne, on dirait! Ojo s'est suffisamment amusé avec nous. Il faut dire qu'on a bien travaillé! Tout ça pour revenir ici. Ouais. Oh! C'est quoi ce bordel? Qui a pu? On risque de la croiser là-haut. On bouge. Putain. Qu'est-ce qui nous attend en haut? Le bureau du président, et au-delà, le toit. Attendez! Une fois monté, je pense qu'on ne pourra plus revenir par ici. On est prêt. Pas vrai? On peut encore retourner au terminal central avec l'autre ascenseur. Si vous avez quelque chose à finir, c'est maintenant. Je suis prêt. On va aller sur le toit. On va croiser les doigts pour qu'on puisse utiliser des soins, des trucs comme ça, mais...